on parle beaucoup plus largement de l'île Maurice, j'ai envie de dire, du sport, du partage, du vivre ensemble. Et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Très rapidement, il y a les noms qui sont posés sur la table, mais je suis donc Mathieu Razé, le responsable de la communication pour le groupe Ciel. À ma droite, Jean-Marc Rivette, qui est le directeur de la course sur le Fernet Trail, mais qui est également le general manager de Ciel Properties. Yannick Dautemont, qui est notre coordinateur médical avec les équipes de la Fortis Clinique d'Arnay sur ce parcours et qui fait un travail formidable, bénévole depuis de nombreuses années. Vous avez toute l'équipe de Inclusion Mauritius avec qui nous faisons un partenariat cette année. Donc merci beaucoup d'être présent et pour nous présenter un peu votre magnifique travail avec les organisations avec lesquelles vous travaillez. Et puis nos sponsors, nos fidèles partenaires, j'ai envie de dire, ce n'est pas des sponsors, j'aime pas trop ce terme-là. C'est plus des partenaires, Mauritius Union qui nous accompagne depuis, c'est la deuxième année maintenant sur le 50 km. Sun sur le 4 km et qui prépare avec amour le rougail saucisse bien aimé des coureurs après la course avec beaucoup d'amour. Bankwan qui sponsorise le 20 km depuis 2 ans également, enfin depuis 1 an et donc c'est la deuxième année. Et puis Nandos malheureusement qui ne peut pas être présent aujourd'hui. Nicky Jackson a malheureusement eu une panne de voiture, mais elle m'a chargé de vous présenter ses excuses et surtout de vous partager son enthousiasme à l'idée de faire partie de cette équipe. Donc c'est une belle aventure, comme tous les ans. Et donc merci à tous d'être présents pour qu'on vous présente un petit peu les détails de cette édition, qu'est-ce qui a changé, quelles sont les nouveautés. Donc c'est la 10e édition, déjà. J'ai envie de dire, c'est passé vite, alors j'ai pas été là depuis le début, mais je crois qu'il y en a certains qui sont là depuis un bon moment sur le Fernet Trail. Ça a commencé en 2008 par une petite équipe de volontaires en interne ici, qui se sont dit, bah tiens, on a un magnifique domaine qui est la vallée de Fernet, qui est un des derniers sanctuaires de la forêt endémique à Maurice, et qui se sont dit, il faut le faire découvrir, il faut le partager avec tous, parce qu'il y a des beautés. Au niveau de la faune, au niveau de la flore, et ils avaient envie de partager ça avec tout le monde. Donc ils ont créé ce trail, qui au début, je crois, avait à peu près 600 ou 800 participants, je ne sais plus, et aujourd'hui, on en est à 3500 participants. 3500 participants pour cette 10e édition, donc ça démontre le succès de cet événement, le succès et l'engouement pour le trail à Maurice également. Nous avons la chance d'avoir des gens qui représentent la fédération de trail également à la table, donc je pense qu'ils pourront en attester. Et c'est vraiment pour nous une grande joie de voir que finalement les gens s'intéressent, les gens ont envie de participer. On a 150 volontaires bénévoles qui viennent participer. C'est une grande fête. C'est pas seulement un événement sportif pour nous, c'est vraiment une grande fête. Ce qui caractérise un peu le Fernet Trail, c'est que tous les ans, les équipes ici en interne, on se sont dit comment on fait pour faire mieux. Qu'est-ce qu'on amène de nouveau dans la course? Et je crois qu'au cours de ces 9 années, donc 10e édition mais 9 années, il y a eu beaucoup d'innovations. Alors il y a eu des nouveaux parcours. Au début, je crois qu'il y avait un ou deux parcours, si j'ai bien suivi. Il y a de nouveaux parcours qui sont créés, dont notamment le 50 km qui est arrivé l'année dernière pour la première fois, qui a été une vraie prouesse des équipes sur place, hein, parce que pour aller chercher et baliser les sentiers sur 50 km en pleine nature, c'est pas évident. Et croyez-moi, c'est un travail, je crois, qui prend plusieurs mois pour être effectué. Donc un grand coup de chapeau aux équipes sur place. Il y a eu le Kids Club qui est arrivé également et qui est opéré par Sun, qui permet aux participants de venir avec leurs enfants, de laisser leurs enfants au Kids Club pendant qu'eux vont courir pour la course. Il y a eu les Race Packs qui chaque année sont de plus en plus fournis, garnis grâce à nos partenaires, avec des jolis cadeaux, avec plein de bonnes choses à manger, avec des choses pour se réhydrater, etc. Donc il y a vraiment eu beaucoup d'innovations sur ce point de vue-là. Il y a eu un timing professionnel des courses qui a été mis en place. Je crois qu'au niveau du Fernet Trail, on a été les premiers à faire un partenariat avec Rogue, qui maintenant fait le timing de toutes les courses, je pense, à Maurice, ou de quasi une bonne partie des événements sportifs, puisque ce n'est pas que les courses de trail, c'est aussi le VTT et d'autres. Mais c'est vrai que le Fernet Trail a été les premiers à faire le partenariat avec eux pour amener, on va dire, cette dimension un petit peu plus professionnelle au timing des courses. Il y a eu des tatouages qui ont été faits pour le 50 km et qui reviennent cette année. Pour que les coureurs puissent se tatouer la course et voir spécifiquement où ils en sont, qu'est-ce qui les attend également en termes de dénivelé et d'ascension. Et tout un tas d'innovations, on parlait aussi également de la cup. C'est donc ça, de faire, au lieu d'avoir des gobelets en plastique sur l'événement, d'avoir une tasse qu'on peut garder pour la suite.
Ça a été une grosse innovation et qu'on garde depuis parce que c'est important pour nous. Encore une fois, ce n'est pas qu'un événement sportif, l'idée c'est de passer des messages. Et un de ces messages, c'est la préservation de l'environnement. Donc de ne pas faire n'importe quoi dans la nature, de ne pas acheter n'importe quoi, d'essayer de faire attention aux ressources qu'on consomme et surtout de préserver, on va dire, la vallée de Ferney, bien sûr, mais l'île Maurice dans son ensemble, on va dire la planète dans son ensemble, parce qu'on sait que c'est un sujet de société pour les générations à venir. Donc, encore une fois, une merveilleuse aventure pour nous, qu'on est ravis de fêter pour la 10e fois. Et qui promet de belles surprises. Alors, très rapidement, pourquoi le fait-on ? J'ai envie de dire, la meilleure façon de l'exprimer, c'est peut-être en regardant la petite vidéo qui a été faite l'année dernière sur l'édition 2016 qui, je crois, parle d'elle-même. Je vais avoir une bonne vingtaine de fois, et pourtant j'ai tout le temps des frissons, parce que ça résume vraiment l'esprit. Il y a plein de... J'ai presque envie de pleurer en parlant de ça. Mais c'est vrai parce que c'est un travail qu'on fait sur 9 mois, hein, pendant 9 mois de l'année. Il y a une équipe qui est vraiment soudée. Il y a des challenges, ça on le sait. Mais à chaque fois, on se dit bon, bah, comment on va faire, comment on va trouver des solutions, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter et surtout comment on fait pour que ça se passe bien pour les participants. Donc vraiment, voilà, j'ai la voix qui tremble parce qu'on a envie de bien faire. Passons à autre chose parce que sinon je vais être trop ému. J'en ai parlé, on a une nouvelle identité également, Ciel Ferney Trail. Et pourquoi on a voulu cette nouvelle identité ? Parce que c'est la 10e édition, parce que encore une fois il faut donner un petit coup de nouveau. Et parce qu'on a voulu ajouter ce tagline, Bouze et Maurice. Je crois qu'on a envie d'en faire un événement qui soit un petit peu plus engagé. On l'est déjà, mais de donner ce tagline, ça donne une dimension qui est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus engagée, de vouloir faire des choses, de vouloir passer des messages, comme j'ai déjà dit, sur la préservation de l'environnement, sur le partage, sur le vivre ensemble, de se dire, bah voilà, on est tous sur cette belle île Maurice, d'où qu'on vienne, quelle que soit notre couleur de peau, quelles que soient nos origines, quel que soit notre métier, et on peut se rassembler et faire des belles choses ensemble. Donc, bougeons Maurice pour une île Maurice encore plus belle demain. Donc c'est pour ça que cette année, on a un magnifique t-shirt aux couleurs du drapeau mauricien, parce qu'on a voulu donner cette touche encore plus mauricienne. Donc vous allez voir plein de surprises sur la course, avec des jolis drapeaux mauriciens, avec, je pense, beaucoup d'émotions pour les participants aussi. Et avec un call to action en bon français, pour s'engager, pour faire de belles choses pour l'île Maurice. Ça s'inscrit aussi dans notre partenariat qu'on a. Je vais donner la parole dans un instant parce que Inclusion Mauritius, c'est une fédération finalement hein, qui rassemble des associations qui s'occupent des personnes porteuses de déficiences intellectuelles et qui œuvre justement pour l'inclusion de ces personnes dans la société. Et on sait qu'il y a beaucoup de boulot sur l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Il y a beaucoup de choses à faire. Et Inclusion Mauritius, à travers ce réseau d'ONG, fait un travail fantastique. Donc merci beaucoup d'accepter de faire ce partenariat avec nous, parce que c'est un grand honneur pour nous. Voilà, je vais vous laisser en parler très rapidement. Et nous, on est ravis en tout cas d'avoir des personnes avec des déficiences intellectuelles qui vont participer à la course, puisqu'il y aura 30 de vos membres qui vont participer aux 4 km. Donc ça, c'est une vraie première. On parlait d'innovation, ça, c'est une vraie première. On parle d'inclusion, bah, on est dedans. Et donc, grâce au soutien également de la Fondation Ciel Nouveau Regard qui finance une partie de ces coureurs, on va avoir des jolis binômes avec des employés de Ciel qui vont courir à leur côté sur la course du 4 km. Donc ça, c'est donc les chaud au cœur, mais je vais vous laisser en parler un petit peu de vos projets, de présentation de l'ONG plus en détail. Alors, merci beaucoup. Alors, premièrement, nous remercions le groupe Ciel pour l'invite nous et une de nous l'opportunité pour l'inclusion Mauritius. Et comme on dit, nous regroupons deux associations qui travaillent avec les enfants en déficience intellectuelle. Et vraiment, c'est pas difficile, mais avec tout le même support, nous réussissons à faire notre travail bien. Et pour cette édition, la 10e édition, il y en a 30 jeunes qui fait pas pendant Ferney Trail cette année-ci. Et Ferney Trail aide nous comme si pour nos missions et nos missions que nous avons réussi à accomplir bien. Et c'est,
c'est ça un peu qui nous réussit à inclure les mêmes jeunes dans la société aujourd'hui. Peut-être que vous avez plus de détails. Parmi les valeurs de l'inclusion de Mauritius, on lutte beaucoup pour les droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et vous allez voir les personnes qui ont un handicap physique, qui ont un artistique de guys, et ils ont deux soutiens, deux équipements qui peuvent les aider. Mais un jeune qui a un handicap intellectuel, il n'a pas de support. C'est-à-dire, on n'a pas d'équipement qui peut les aider. On a différentes techniques pédagogiques, lui. Mais à la longue, c'est un support person qui soutient la personne. Et là, ce qui nous a intrigué, c'est que pour la pause, il y aura un autre staff de groupe ciel qui va accompagner ces jeunes. Ils vont considérer un accompagnateur et également un ami pour eux, parce que c'est ça qu'ils cherchent, les jeunes qui ont une handicap intellectuel. Ils cherchent à s'intégrer avec les personnes qui ne connaissent pas. Ils veulent découvrir eux aussi. Et la plupart du temps, il y a des personnes qui ont peur de les approcher parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi l'enjeu de ce type d'handicap. Ils n'ont pas l'approche. Mais cette fois-ci, les jeunes ont du PEPS. Ils sont vraiment contents qu'ils vont découvrir deux personnes qui ne sont pas dans le cadre des ONG, mais c'est complètement autre chose pour eux. Et là, ça tombe sur nos projets d'intégration et la lutte pour les droits des personnes porteuses d'handicap déficience intellectuelle. Et on est très contents vraiment parce que vous avez, comme je dirais, vous avez pensé autrement. Vous les avez pas mis dans le cadre de l'handicap, mais pour vous, ils sont des personnes qui ont des droits pareils comme tout le monde. Ils peuvent aussi courir et participer. Vous avez eu une autre perspective, une autre façon de voir. Et vraiment, je vous félicite pour ceci, parce que c'est une grande première pour nous. Et voilà, on est très 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 émus, très contents. Et je suis sûre que vous aussi, vous allez aimer, vous allez adorer être avec nos jeunes. Parce qu'ils sont des gens pleins de sentiments, d'émotions. Et ils ignorent c'est quoi la jalousie, c'est quoi les sentiments négatifs. Donc vous allez partager un moment de bonheur avec eux et eux aussi. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Un grand merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc on a ce très beau partenariat qui j'espère va se poursuivre pour de longues années. Et puis on a également, grâce à Jean-Marc, à sa détermination, la chance également d'avoir une Joëlette. Alors, j'imagine que tout le monde n'est pas familier avec ce terme de Joëlette, en tout cas moi je n'en étais pas. C'est une chaise roulante spécifique pour le trail qui permet de porter une personne atteinte physiquement et de le porter sur la course. Donc c'est une grande première à Maurice, hein, je pense. On a la chance d'avoir le soutien de Road Trail, qui est l'association à Rodrigue. Qui a développé ça sur Rodrigue. Je crois que le système avait été développé à La Réunion, c'est ouais. Ça, à la base. Peut-être tu peux nous en dire quelques mots. Ouais, donc, nous, après avoir vu les courses à La Réunion, donc les courses du Grand Raid, où ils ont déjà la joyeulette et ils potent sur la distance, la longue distance, donc sur les 160 km, ils potent un autrement capable, handicapé physique. Et Arne Meunier, son équipe de la Road Trail Association, se sont fait offrir une joëlette par les Réunionnais. Et l'année dernière, la joëlette était présente sur le Rodrigue Trail. Donc nous avons décidé, nous, de voir si on pouvait faire venir cette joëlette à Maurice. Et Renaud a bien gentiment accepté. Donc nous faisons venir la joëlette avec trois membres de l'association de Rodrigue Trail, qui sont gentiment hébergés par Vincennes. Et nous avons trouvé une vingtaine de volontaires pour les porter sur le 10 km cette année-ci. Donc on commence sur le 10 km et Yannick nous a trouvé... Il s'appelle Ethan. Ethan, qui est, je comprends, très excité, un petit peu d'appréhension aussi. Beaucoup d'appréhension. Et donc nous sommes très excités de pouvoir faire Ethan vivre le 10 km. Je crois que ce sera encore une fois pour lui une découverte et pour nous aussi. Ça c'est clair. Merci Jean-Marc. Donc plein de nouveautés. Quoi d'autre? Le t-shirt, j'en ai parlé. T-shirt bien mauricien. Ça s'inscrit aussi. Hein. On a les 50 ans de l'indépendance de Maurice qui arrivent bientôt, l'année prochaine.
C'est une bonne occasion de marquer le coup. Je crois qu'on ne peut pas être un événement plus mauricien que celui-ci. On fait appel à tous les talents, à toutes les énergies positives pour faire de cette journée une belle fête. Donc on est ravis et fiers de porter ce t-shirt mauricien. On aura définitivement une ambiance bien mauricienne sur... Voilà, merci beaucoup. Merci. Super. Donc ce joli t-shirt, je parlais de l'ambiance bien mauricienne effectivement parce qu'on s'est dit, c'est la dixième édition, on veut mettre le paquet et donc on s'est dit il y a la course et puis il y a le village. La course ne s'arrête pas quand on passe la ligne d'arrivée. La course continue après, puisque c'est la grande fête qui continue. Donc il y a rougail saucisse de seul. Il n'y a pas plus de nourriture. Tout le monde attend avec impatience, avec, en se léchant les babines, on va dire. Et puis il y a plein de. Y a, cette année, dans le village, on a vraiment beaucoup de nouveautés, parce que grâce à nos partenaires, je pense qu'on va avoir des belles choses. Mauritius Union qui nous prépare un Orange Juice Bar. Bengwan qui prépare le photocabine où les participants pourront se tirer en photo et avoir une photo d'eux directement sur place. J'en oublie certainement, mais il y aura un stand de Shapes, il y aura un concert de Mr. Love à partir de midi, on aura des DJ sur place pour mettre de l'ambiance. On a bien sûr toute l'équipe de Yannick et de la clinique Darnay qui vont offrir des massages gratuits à tous les participants. C'est la tradition de faire des trails depuis je ne sais pas combien d'années, peut-être tu as ça en fait, mais... Moi j'y suis depuis 5 ans, mais ça date d'avant moi, ça date d'avant. D'une année avant, donc, disons. Ici on faisait le compte du nombre de massages que vous avez donné à Darnay, on arriverait je pense à des records. Près de la concurrence au spa de la région peut-être. On a bien sûr le Sun Kids qui revient cette année en grande forme avec les châteaux gonflables, le maquillage, etc. pour les enfants. Donc plein de belles choses. Il y a MK qui nous propose des discounts avec ça et pour les chaussures Salomon. Il y a la Vallée de Ferney également, les équipes de la Vallée de Ferney qui vont se décarcasser pour préparer des bonnes petites choses à manger. Pour que ça soit une belle petite fête, des full stalls avec boulettes, samoussa, gâteau piment et saut complète. Donc ça va être chouette aussi. Coco Up qui aura même le Coco Up Clown et qui va distribuer du Coco Up aux participants. Et voilà, j'en oublie très certainement. Donc je pense que le village cette année va être quelque chose d'assez sympathique et c'est ouvert à tous, pas seulement aux participants, donc les participants et leurs familles, mais également ceux qui veulent venir juste pour profiter du village et puis découvrir l'ambiance de course, parce que je crois que c'est une découverte quand on vient au Fernet Trail, on se dit bah tiens je ne connais pas, c'est pas une course comme les autres, et on découvre plein de choses et puis je pense qu'on passe un bon moment. Donc voilà, je vais m'arrêter de parler parce que j'ai beaucoup parlé et je vais passer la parole à Jean-Marc qui va parler plus des courses et rentrer dans le vif du sujet au niveau du côté technique et sportif. Moi, je dois dire, est un peu éloigné de mes habitudes quotidiennes. Oui, c'est pas grave. Merci Mathieu. Bon, on va. Après, tu nous as mis en appétit, donc bon, avant, après, ce que Mathieu a dit, à manger qu'il faut, il faut courir avant de pouvoir se nourrir. Donc, on va parler un peu des courses. Et je pense que ce qui est important de souligner avant tout, c'est ce que vous voyez une petite équipe d'organisation ici derrière la table. Mais il y a une énorme équipe dans cette vallée. Et ça fait 3 ou 4 mois qu'ils sont là, nuit et jour, et je dis bien nuit et jour, pour baliser les sentiers et remettre les sentiers en état. Donc moi je voudrais leur tirer mon chapeau, parce que je passe aussi beaucoup de temps enfermé, et en ce moment il pleut beaucoup, il y a beaucoup de boue. Et il fera beau en septembre, bien sûr. Bien sûr. mais ils passent énormément de temps à baliser les sentiers et à les mettre en état pour que cette grande fête du trail puisse se passer sans problème. Donc, nous, ce qui est intéressant aussi, et moi je voudrais reprendre ce que nous avions dit juste avant, c'est que chez la ligne de départ, tout le monde est égal. Et c'est pourquoi nous voulons travailler avec Inclusion Mauritius cette année-ci, tout le monde est égal. Et nous, notre but, c'est que tout le monde puisse prendre du plaisir. Et dans un environnement sécurisé.
Donc nous avons balisé, nous avons une grosse équipe médicale, Yannick en parlera après. Et nous avons aussi offert 4 parcours pour que chacun puisse trouver son confort. Donc nous avons les mêmes parcours que l'année dernière. Qui est l'ancienne usine de Ferney et le départ pour les excursions de la vallée de Ferney aujourd'hui. Donc très facilement accessible par la route principale. Juste à côté, ici, nous avons, ici, nous aurons le parking et les participants peuvent marcher 2-3 minutes pour arriver au départ. Donc nous n'allons pas permettre l'accès des véhicules à l'intérieur du village pour des raisons de sécurité. Et le parking sera ici et très bien indiqué et les participants pourront se déplacer pour arriver au départ. Donc je parlerai des horaires après, mais toutes les informations sont sur le site web et la page Facebook. Donc le 4 km, le départ est à 9h30, destiné, le seul kids 4 km, destiné aux enfants de 6 à 12 ans qui bien sûr peuvent accompagner de leurs parents. Les parents, les adultes n'auront pas de temps chronométré, ce seront uniquement les enfants qui auront un classement pour cette course de 6 à 12 ans. Donc un 4 km qui démarre dans le centre du village, qui garde le grand chemin principal dans les cannes, qui rentre un petit peu à l'intérieur du chassé ici, avec un passage intéressant au niveau de la rivière, où c'est bien sympa pour les enfants, on voit qu'ils s'étonnent beaucoup, ils passent dans la rivière avec toutes les mesures de sécurité qui sont prises, bien sûr avec une corde et avec des volontaires au niveau ici pour assurer que le passage se fasse sans décroche et le retour pour retourner ici à l'arrivée. Donc les parents sont souvent surpris, je vais courir avec mon enfant, l'enfant sprint devant, le parent n'arrive pas. Et on a quelques parents qui se retrouvent à l'arrivée en cherchant leurs enfants qui ont déjà passé l'arrivée depuis un bon bout de temps. Donc, course très populaire et super sympa de voir les enfants s'éclater et de prendre du plaisir, tout comme les parents qui essaient de rattraper leurs enfants aussi. La deuxième course, le 10 km, donc une course un peu plus dure, qui s'adresse aussi aux débutants et sur laquelle nous avons le plus de succès. Hein. Cette année-ci, nous allons accueillir plus de 2000 participants sur le 10 km. Yannick est très content de ça parce que au niveau de la sécurité, on prend bien sûr toutes les mesures pour nous assurer que tout soit mis en œuvre pour que tout se passe sans anicroche. Un point critique, c'est le départ. Donc, on va mettre en place un système spécial pour le départ sur le 10 km. Le 10 km suit le même tracé que le 4 km, mais au lieu de faire tourner ici à la rivière, il continue et passe à l'intérieur de la zone de conservation de la vallée de Ferney. Endroit magnifique dans les sous-bois de la zone de conservation où c'est là où il nous reste une infime partie de notre forêt endémique à l'île Maurice. Ensuite, une petite boucle ici, ça grimpe un petit peu ici et on redescend pour rentrer au village. Donc la course de 10 km fait partie de la ligue de côte très courte, la ligue de trail court, pardon, devant le trail nature, et c'est une course très rapide. Donc les premiers le font en 35 et 40 minutes, et on s'attend à de jolis résultats encore une fois cette année-ci, et bien sûr avec nos 2000 participants qui passeront l'arrivée au fur et à mesure. Donc pour nos organisateurs, c'est le 10 km qui nous demande le plus d'énergie et le plus de concentration. Ensuite, nous passons au 20 km, course introduite l'année dernière, pour quand même les coureurs un peu plus aguerris. C'est intéressant de voir que nous notons une progression. Certains coureurs, beaucoup de coureurs qui étaient sur les 10 km l'année dernière, ont migré sur le 20 km, donc ils se sentent en confiance. Donc toujours départ au village, sur la grande route ici, commune aux 10 km et aux 4 km, et ensuite on passe à gauche et là on grimpe pour passer dans le chassé de Ingham, le chassé de Ferney ici. Vous verrez que nous avons certaines parties du 10 et du 20 qui sont des parties communes. Avec les heures décalées de départ, on ne s'attend pas à ce que le 20 rattrape le 10 km. Donc, mais c'est vraiment cet endroit ici, vraiment magnifique, encore une fois dans la zone de conservation.
où on passe une magnifique cascade et on a, étant donné que c'est quand même un temps assez pluvieux actuellement, les cascades sont remplies, les rivières sont remplies, donc les participants peuvent se rafraîchir au niveau de la cascade et c'est vraiment, vraiment un parcours magnifique qui rejoint ici une partie du 50 km et redescend sur le village ici pour l'arrivée. Et puis la dernière course, la course phare, la course dure, la course de guerrier, j'ai envie de dire, et donc, qui a été introduite l'année dernière, le 50 km. C'est en ici une soixantaine de participants sur cette course. Départ au village à 5h30 du matin. Et une première boucle de 4 km pour faire une mise en jambe. Et ensuite, la super montée de la montagne du Lion, où les participants ont l'occasion de voir le soleil se lever à cet endroit ici. Et on passe le pic de la montagne du Lion et on redescend. On fait une boucle et on repasse sur le village au départ. Super sympa aussi parce que ça permet, là on commence à avoir quand même pas mal de personnes qui sont qui arrivent sur le village et qui encouragent les coureurs du 50. Et ensuite, on attaque le gros du morceau ici. Et comme on peut voir, on passe par le chassé d'Ingham, le chassé de Le Vallon. Et là, on dirait qu'on s'amuse. Et donc, parcours commun au 20 km ici. Et ensuite, au point ici, à ce point-là ici, au 40e km, campement de chasse de Ferney, nous avons la mise en course à 16h. Okay? Ça aussi, c'est pour une question de sécurité. C'est que tous les coureurs qui ne passent pas ce point à 4h de l'après-midi sont mis hors course pour la simple et bonne raison que nous ne voulons pas avoir les coureurs sur cette partie-là à la nuit tombée. C'est important pour nous aussi de nous assurer que, avec tous les systèmes de chronométrage que nous avons en place, on peut s'assurer, il faut s'assurer que tout le monde est rentré. Et donc, une fois que ça nous donne le temps, après la mise hors course, et que les coureurs balais ont passé, et on s'assure qu'il n'y a personne derrière eux, de faire le décompte pour nous assurer qu'on a oublié personne dans la forêt. Donc voilà les quatre courses. Moi j'ai envie de dire super excité encore une fois. C'est pas parce que c'est les mêmes parcours que l'année dernière que ce sera moins excitant. Sur les 50 km, nous avons toute l'équipe mauricienne qui va courir. Nous attendons une belle bagarre. Comme vous le savez peut-être, le niveau des Mauriciens sur le trail à Maurice commence vraiment à grimper. On a Simon Desvaux qui participe là demain à une course sur le Mont Blanc. Et on espère qu'il va faire un top 10. Il a fait un top 40 sur le Grand Raid l'année dernière. On a Nicolas Quélan et Henri Fayeul qui sont quand même des stars montantes du trail mauricien. Et avec quelques outsiders qui, je suis sûr, viendront peut-être bousculer un peu les classements. Donc voilà pour les courses. Et le 9, je crois que ce sera, je suis sûr, ce sera extrêmement excitant. Et on va vivre des moments très intenses. Peut-être voilà. Parler rapidement des horaires, Jean-Marc. Oui, donc les horaires. Donc nous encourageons les participants à arriver tôt. Parce qu'on va quand même accueillir 4000 personnes sur le site. Ça va faire beaucoup de monde. Et donc, pour le 4 km, le départ est à 9h30. Pour le 10 km, le départ est à 8h30. Pour le 20 km, à 7h30. Et le 50 km, à 5h30. Ce serait toujours bon pour les participants d'arriver au moins une demi-heure avant. Il faut compter point de départ que Pip Ferney. Il faut compter 45 minutes pour arriver à Ferney de Kirpit. Du nord, il faut compter 1h30. Et du ouest, il faut compter 1h15. Donc, prendre un peu d'avance, arriver tôt, ne pas avoir stressé. Et bien sûr, toujours prendre du plaisir pour que ça se passe sans en écroche. Super. Il y aura le Race Pack Day également qui est prévu. Oui, le Race Pack Day, donc la collecte des dossards. Qui est prévu pour mardi prochain, le 5 septembre, à Florian-Nipouer, l'usine de Florian-Nipouer à Mangalcan.
de 7h du matin à 7h du soir. Donc c'est là où nous remettons les pactages et c'est l'unique moment où nous allons remettre les pactages pour tous les participants. Nous n'allons pas remettre de pactage le jour du départ et nous encourageons et nous demandons à tous les participants de bien venir collecter leur pactage de course. Ils ne seront pas déçus par le contenu, mais c'est à nos partenaires pour ça. Merci beaucoup Jean-Marc. Donnez la parole à Yannick qui va nous présenter rapidement le dispositif médical et ses conséquences sur la course. Yannick. Merci Mathieu. Donc c'est mon cinquième fin d'étrée personnellement. Toujours aussi ravi et enthousiaste d'y participer. On est arrivé sur cette course il y a 5 ans pour une raison toute simple, c'est que c'était une course qui ne faisait pas de profit et qui reversait tout à des œuvres s'occupant du médical et de l'écologie. C'est quelque chose qui nous parlait dans notre équipe de paramédicaux et on a décidé de s'associer à la clinique d'Arnay pour s'occuper et gérer ce médical. Regrette pas, je dois dire, parce que l'équipe avec laquelle on travaille et on bosse sur ce trail est quand même fantastique. J'y ai que des bons souvenirs. Cette année donc, comme assez régulièrement maintenant, puisque ça fait quelques années qu'on tourne avec une grosse équipe médicale, nous serons plus de 30, encore une fois, staff médicaux, paramédicaux. 16 infirmiers, 4 médecins et le reste c'est des kinés, des ostéos, des podologues, etc. Postés un peu partout. On a des infirmiers quasiment sur tous les postes ravitaux, pas quasiment, sur tous les postes ravitaux du 50. On a des kinés aussi sur des postes ravitaux qui sont là pour aider à soigner. Le dispositif se veut être comme un peu ressemblant à l'année dernière, qui a pas mal fonctionné, où on a un hôpital à la base au village, qu'on appelle l'hôpital déplacé. À cet hôpital, on a aussi l'ambulance, le 118 de la clinique d'Arnay, qui est en stand-by en cas de besoin pendant toute la journée. En plus de cette ambulance, nous transformons tous les ans, depuis 3 ans maintenant, un 4x4 en deuxième ambulance. Il est complètement équipé de tout le matériel nécessaire à la ressuscitation et au secours de la personne en montagne. De ce 4x4, nous avons Raj, notre ami Raj, qui est le chauffeur qui connaît sans doute le mieux, d'après les dires de ceux qui sont sur le terrain, les sentiers de la vallée. Et c'est lui notre pilote. Et ce 4x4 intervient en cas de besoin, avec une équipe donc d'un médecin et deux infirmiers pour pouvoir secourir tout ce qui aurait besoin d'être secouru. Comme l'année dernière aussi, nous avons tout un système de communication interne au médical. On fonctionne sur un système de talkie-walkie en fréquence verrouillée sur le médical, ce qui nous permet de travailler, je dois dire, dans des conditions absolument fantastiques de communication entre nous. Nous avons cette année, comme innovation, essayé de travailler avec les responsables des postes ravitaux sur une petite mise en situation, sur les moyens de pouvoir aider quelqu'un qui serait en souci quelque part sur le parcours. Nous essayons de développer, de former au fur et à mesure tous ces bénévoles à pouvoir appliquer, comme n'importe qui devrait savoir le faire à notre avis, un défibrillateur, une manœuvre de ressuscitation. Et c'était sympa de se retrouver à Ferney il y a 10 jours avec les infirmiers de l'équipe et de pouvoir faire un petit travail autour de ces techniques de secours, en fait, de secours de première urgence qui peuvent servir dans la vie de tous les jours, évidemment. Ça se veut aussi être pédagogique et essayer de ramener tout le monde autour de la même volonté qui est de faire que chaque trailer puisse s'amuser. Et que chaque trailer soit en sécurité au mieux des capacités que nous pouvons développer. Pour le paramédical, un mot juste pour dire qu'il y a quand même une bonne quinzaine de paramédicaux encore cette année sur ce Ferney Trail qui ne se limitent pas du tout à notre équipe de la clinique d'Arnay, qui se limitent au fait en personne, on rappelle tout le monde tous les ans. Moi j'ai des collègues kinés que je ne vois qu'une fois par an au Ferney Trail. Et qui tous les ans reviennent et c'est juste génial de voir cet engouement pour l'événement Ferney Trail. Sachant que tout le monde est strictement bénévole et qu'ils sont juste là parce que c'est sympa et parce qu'il y a une bonne ambiance. C'est une grosse, grosse journée de travail. L'année dernière, j'ai compté mes pas, j'ai marché 40 km dans la journée du Ferney Trail. Donc ouais, on bosse pas mal, mais c'est quand même absolument génial de pouvoir vivre cet événement grandiose parce que le sourire des athlètes et l'arrivée au massage après, où on a cette tradition du massage de tout le monde depuis le gamin de 5 ans
jusqu'aux plus âgés qui ont couru avec nous, en passant par le vainqueur qui arrive aussi pour son petit massage. C'est génial de retrouver toute cette famille entourée et encadrée par l'équipe. J'aurai un petit mot spécial pour Ethan. Ah, je vais être ému là. C'est la journée, t'inquiète. Ouais. Ethan est un petit patient que je suis depuis 4 ans, qui ne marche pas en tout cas pour l'instant, qui a de gros handicaps physiques et qu'on aura la joie d'accompagner sur ce fernet en joëlette. Je trouve ça génial de pouvoir vivre ça aussi dans notre île Maurice. Et je trouve que c'est des idées extraordinaires de pouvoir travailler avec vous et travailler avec tous ces petits patients qu'on accompagne. Pour pouvoir juste faire grandir le regard des autres et changer le regard des autres sur ce que peut être le handicap qui est nous dans notre pratique évidemment et notre quotidien. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour du médical. On aura, je pense, une très belle expérience à vivre encore ensemble et on fera tout, en tout cas, ce qui est en notre pouvoir et en notre capacité pour que ce soit organisé comme il faut et que ce soit sécurisé comme il faut, même s'ils sont des 1000 plus pas 10. Nous avons eu une discussion sérieuse. Mais ça se passera dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude, je pense. Et ce sera juste génial de le revivre une fois de plus avec vous. Merci. Encore, Sam est présent. Et Ethan sera le bienvenu, évidemment, sur le Kids Club qui est mis en place comme chaque année. Donc, toutes nos équipes de Kids Club de nos hôtels viennent sur le Fun & Thrill et on réinstalle un Kids Club pour les enfants qui est totalement gratuit. Donc les enfants sont invités à s'inscrire ou sur le site ou en arrivant. Donc ça permet aux parents qui vont courir de savoir que leurs enfants sont en sécurité et s'amusent pendant leur course. Et aux enfants qui vont aussi courir, de pouvoir partager ça avec les enfants. Et pourquoi pas donner envie aux enfants de participer. Donc on a des équipes, on a plein de jeux, plein d'activités qu'on peut retrouver dans les Kids Club de Sun. Ça va du face painting aux jeux de ballon, des jumping castles et encore plein d'autres. Et on a aussi au moment du déjeuner donc des finger foods qui sont offerts aux enfants. Donc ils peuvent venir se servir avec les choses, que tout ce qu'ils aiment évidemment, mais toujours healthy et bien sûr. Donc les enfants sont gâtés, sont bien pris en charge et passent, je pense, un moment complètement génial lors du Fun & Thrill. Donc voilà, donc c'est un endroit bien sécurisé, il y a une entrée, donc on peut surveiller les enfants qui sortent, qui rentrent dans l'enceinte, en tous les cas, du Kids Club. Donc, et puis il y a la course des 4 km, donc les enfants vont être accompagnés sur la course, ceux qui font la course en tous les cas, ils vont avoir leur dossard. Et là, on a toute une équipe de Sun généralement qui les encourage et qui est là pour les accueillir à leur retour. Ça, c'est pour toute la partie de la course et des enfants, des Sun Kids. Cette année encore, on a la joie de préparer le fameux roule à saucisse. Me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win,
and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?